Eh bien, mesdames et messieurs, bonjour, c'est Bulldozer qui vous parle et qui vous retrouve aujourd'hui pour une petite partie sur Call of Duty 2 solo. Donc, Call of Duty 2 solo. Et une petite partie sur la partie que vous pouvez avoir gratuitement. Qui est dans la démo de Call of Duty 2, je me rappelle, je la faisais en boucle. Cette démo. Alors, elle a la mine, ça s'appelle. Donc, tournant de la guerre en Afrique. Oui, on sait, il faut passer par la droite. Tournant de la guerre en Afrique, la première défaite de Rommel face à Mongo. Et je suis mouru. D'accord. Et oui, une petite citation quand on meurt, histoire de. Ouais. En fait, je joue en mode. Enfin, en difficulté commando, donc c'est très difficile. Mon commentaire est marqué, tu ne survivras pas. C'est encourageant. Hop. Putain, c'est impossible. Je tire. Donc vous voyez, c'est un fusil à verrou. Allez, je suis obligé de. À chaque fois que je tire, je suis obligé de. Tire à verrou. On va tuer les servants. La mitrailleuse. Putain, il prend pas ses balles. Chaud quoi. Il est mort là? Toujours pas, putain. Là, il est mort là. Voilà. Là, j'en profite pour passer. Ah, non, 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 non. Voilà. Ah, alors, petite ville d'Afrique du Nord, elle a la mine. Voilà, je fais atomiser. Et le but c'est de reprendre la ville qui s'appelle Eldaba. Pour apprendre, voilà, pour entamer le renouveau, renouveau de la guerre, tournant de la guerre, voilà, tout ce que vous voulez, conneries comme ça. Je suis Britain. English, roast beef, Albion, perfide, machin, toutes les conneries que vous voulez. J'ai un premier arme, donc en première arme c'est la Thompson, hein, classique. On va prendre la Bren, LMG, c'est un fusil mitrailleur de soutien, balle traçante normalement. De nuit, les traits sont traçantes, on voit qu'ils sont traçantes. Voilà, bon, pas génial comme arme, mais enfin bon, ça fait du bruit, ça fait peur aux gens quoi. Et on va vite rusher. Ah! Et encore un an. C'est bon, voilà. Pas de cadavre allemand. La deuxième arme, donc là c'est la Bren LMG que j'ai pris à la place de la Thompson. C'est bien foutu quand même, il y a des viseurs et tout. Et la deuxième arme, c'est le Lee Enfield, un fusil à verrou, donc comme je vous ai dit, anglais, qui date d'il y a un bout de temps. Ils avaient ça déjà en 14, je crois. Je dis pas de conneries. Particularité du Call of Duty 2, c'est les fusils. On n'a pas dans les autres, hein, c'est très regrettable. Parce qu'on a directement le fusil à lunettes. On n'a pas de fusil de base avec le viseur à la con. Et on va aller attaquer, on va aller prendre cette ville à la con. Allez, c'est parti. Il y a des méchants là? Non. Allez. Je crois que c'est par là. On peut pas aller trop tard. Tu piques un petit roupillon. Yeux ouverts. Alors. C'est parti. Oh, ils sont un peu cons puisqu'ils laissent dépasser un bout de leur crâne. Voilà. Et ils balancent des grenades. Voilà. Ils laissent dépasser un bout de leur crâne. Alors on peut tirer facilement même quand ils se cachent, quoi. Donc vous voyez l'univers fidèlement transcrit. Regardez, il y a des fils électriques qui bougent. Bon, on peut pas les couper. Enfin bon, ça c'est. À l'époque c'était déjà génial. 2005, je rappelle que ce jeu est sorti. Donc si vous voulez faire cette mission, elle est disponible gratuitement. Donc ça c'est la mitrailleuse lourde allemande. Vous voyez le profil de l'arme. La MG42, très connue, qui est encore utilisée maintenant. Elle est très 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 appréciée même encore maintenant. Regardez. Il me voit pas. Enfin carnage. Headshot. Et il meurt pas. C'est top. Tant bien, je fais rien. Voilà. Le retour de la confiture sur l'écran. Bon, c'est pas vraiment la confiture, c'est pas désagréable. Enfin, voilà. Magnifique ce jeu, regardez. Il y a plein de décors, regardez, c'est bien foutu. C'est une autre gueule, hein, c'est Activision cette fois-ci. Interdit de critiquer Call of Duty 2, hein, je précise. C'est interdit, strictement prohibited. Oh putain, une mitrailleuse. Hop. Une bombe des grenades.
Je crois qu'on peut utiliser les canons. Et dans une autre partie, on peut l'utiliser d'ailleurs, et on sait pas pourquoi, parce qu'on a pas besoin, mais enfin. Ça pousse le réalisme à un point, voyez-vous. Allez, on peut tirer sur ça et ça explose. Voilà, génial, hein. Top. Hop, c'est mort. Regardez, on est. Quand on est en plein été, on a pris la tenue d'été. Regardez, ils ont les chemisettes, les shorts. Les boy scouts. Donc, le casque anglais, hein. Assiette. Qu'est-ce qu'il a dans son équipement, lui? Qu'est-ce que c'est ça? Un bâton. Une belle paire de fesses. Thompson, là, un peu partout. Qu'est-ce que t'as dans ton équipement, toi? Et toi? Allez, alors là, ça, c'est une pelle belge. Non, ça. C'est une épée. Une épée. Et là, c'est une gourdasse. Qu'est-ce que tu fais, là? Eh, hey, j'ai la même arme, t'as vu? Eh, hey, Clark, copain. Eh, hey, moi aussi, moi, c'est une grenade. Ah, moi aussi, je vais viser, trop top. Eh, hey, vas-y, on joue ensemble. Oh, putain. Qu'est-ce que t'as, là? Mais t'es, c'est quoi, ce petit bâton, là? Putain, t'es mort. Merde. Putain, mais pas, j'avais un copain, il est mouru. C'est quoi, c'est des bâtons, c'est pour lancer sur les ennemis? Un piquet de tente? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pour être une pelle bêche, mais ça m'étonnerait. Donc là, il a son sac avec sa bouffe. Voilà, voilà, voilà. Allez, on s'en fout, là, on va l'attaquer. Regardez, c'est un port, donc... Ah, c'est un port. Ça, c'est des navires alliés. Et comme ils ont le ras-le-bol de sortir dessus par ces gros canons, ils ont demandé de nettoyer la ville. Putain, qu'est-ce que j'ai raté? Non, grenade! Aïe, 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 aïe! Eh, bien foutu les obus et tout, là. Et douille. Ah, on peut grimper dessus. Non, pas celui-là. Allez. À l'assaut! À l'assaut! Ah, bon, c'est les fumigènes. Parce que regardez, on a des smokes et on a des frags. Attention. Putain. Eh, on balance des fumigènes, on balance des frags. Oh putain, oh là là. Pas facile en commando, hein. Vous voyez, c'est une arme qui fait beaucoup de bruit, mais pas beaucoup de dégâts. Oh bon. Moi, je l'aime bien quand même. Je trouve son viseur marrant. Et puis, j'aime bien qu'on donne des coups de crosse avec. Regardez ça, c'est impossible. Ah là 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 là. Catastrophe. Grosse catastrophe. Ah, prends ça, fourbe. Dorifor. Bosch. Fritz. Krautz. Tunis est non exhaustive. Eh, on va rentrer dans le bâtiment là, on va visiter. Il est où le muezzine? On va se cacher là, sur les tapis. Hein. Bien foutu l'environnement, le décor est bien. On reconnaît bien la. Oh putain. Eh putain, il prend tes balles! Putain. Ok, je sais, les difficultés sont très dures. Ah, ils n'hésitent pas à trocher aussi les ennemis. Hein. Alors là, j'aimerais bien monter, j'ai jamais réussi. J'ai bien aimé voir la vue de là-haut, mais j'ai jamais réussi, c'est bizarre. Là, tu peux, tu vois, tu es censé pour. Très bien, il devrait sauter du haut de la machin, là, faire du soleil stick. Bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donner celle de la flotte depuis la station radio, je m'en ai vu, ça doit être là-haut. Ah! Un peu d'ennemis. Ah, j'aimerais bien monter là-haut, moi, il y a une mitrailleuse. C'est ça? C'est une station radio en or, les Allemands avaient les moyens. Certainement. On va donner un coup de fil. Donc là, c'est pour bien montrer que c'est bien des caisses nazies. Hein. Là, ils sont en train de défoncer des bateaux. On le défonçait celui-là aussi ou quoi? Non? Si, allez. Ah, oula! Y'a pas des camemberts dedans. Hein. Ils commencent à exploser. Oh, putain, ça coule. Avec du bruit et tout, c'est bien foutu. Pas mal, pas mal, pas mal pour les amateurs. Bon, allez, on va sauter là-bas. Putain. Oh, on peut pas passer par les fenêtres. Oh là là. J'ai pas ce souvenir là, attends, j'aime pas mon fusil, on va prendre celui-là. Le fusil mythique de Call of Duty 2, le Kar-98K. Je vais montrer. Kar-98K. Kar-98K. Et je crois qu'il fallait par là, puisque là-bas c'est coincé. Bon. Voilà. Je crois
crois qu'il a dit si des bites on enferme, je suis pas sûr. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah! Oh, t'as pris cher, mon gars! Ah bah, t'es mort. Oh putain. Tu me tires dessus, toi. Ah bah, voilà, j'avais plus de munitions, évidemment. Et voilà, putain, mais quel con! Quel con de Germain qui m'attend là, putain, fourbe! Allez, là, alors, mon copain. Monsieur Carry, là, Mac Carry, hein, le dentiste, tu t'es fait laminer la gueule, hein, mon pauvre. Ah, attends, il devrait être là, les gars. Je comprends pas. Je vois. Non, oh, ça s'est loupé. Voilà. Petit coup de fusil. On refait la déco. Bien foutu les impacts, hein. Même en multi, c'est visible. Regardez. On va montrer tout de suite. Ah, prends la. Putain, casse-toi. Mais qu'est-ce que. J'en veux pas de ta merde. Voilà. C'est où ah. Allez. Viens. Ah, on peut dessiner des bits. C'est comme ça, le truc. Voilà. Magnifique bit. Et ton portrait. Voilà. Eh, j'ai pas remarqué ça. Mais... Il y a un petit gamin qui joue avec des grappes de raisin. Bon, c'est de la poésie. Alors, pourquoi tu... Qu'est-ce que tu regardes? Regarde, il fait de l'archéologie, là. T'as trouvé des antiquités, mon pote? Je vais mettre ça comme souvenir. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Prends ça! Allez, j'ai des coups de crosse, c'est ridicule. Paf! Il y a la lampe d'Aladin. Je veux un vœu. Pas sorti. Ah, c'est les mêmes bas-reliefs. Oh là là, c'est un signe. Bon, faut que je tue les gens là. Où sont les ennemis? Bon, traite-toi. Ah, mais ils ont déjà tout tué quoi. Sauf un. Ah, headshot. Non, j'ai pas eu. Bon, apparemment si. Bon, voilà, ils sont tous morus. Allez, c'est parti. Wouhou, on a gagné. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, faut tous mourir. Putain. Ah, prends ça. Je t'ai bien eu. Et tapis volant, là, toute la magie de l'Orient avec des pots cassés. Des mouches qui sont sur mon écran. Là. Aïe! Voilà. T'es pris pour un autre, toi. Il m'a couru dessus que ça crosse en avant, là. Je savais qu'il y avait un mec par là. Il y a des documents tout secrets, tout dorés, là. On a vu que c'est doré, c'est secret, enfin, faut pas le dire. Ah, mais il y en a encore un autre. Allez, 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 prends ça. Ah, t'as mal à l'épaule, hein. Hein, t'es l'épaule en morceaux, hein. Hein, t'es gros et t'es pas rasé, hein. Voilà. T'as une moustache, c'est laid. On voit pas bien sa moustache. Tout à l'heure. Et lui, il est pas... Oh putain, lui, il a des putains de lunettes Ray-Ban. Oh, puis il est bien rasé. Un vrai Aryan. Lui, il a un rhume, apparemment. Lui aussi, c'est ton frère jumeau, t'as vu? Non? Tu ressembles beaucoup. Attends, qu'est-ce qu'il y a sur la carte? Voyons voir. Oui, Méditerranée. Ça, c'est l'Afrique du Nord. Ça doit être l'Algérie et le Maroc. Et là, c'est... je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Les cartouches. Faut que je les prenne aussi? Bon. Et y a un mec qui parle à la radio. Qu'est-ce qu'il raconte? Voilà, comprendre. Allez, voilà, on a gagné. Il fallait voir le capitaine Price, mais il était déjà là à l'époque. Wouh. Ah, oui, oui, oui. Et toi, t'as bouffé du sable, apparemment. Hein. C'est des sacs de sable, ça. Bien que, on dirait pas. Alors, j'aimerais bien monter là-haut, moi. Trouver un petit glitch ou quelque chose. Voilà. Oula, il mange des vrais. Oh, il y a de la guerre, là. Allez, hop. On va se faire plaisir, regardez, il y a quand même des destructions, hein. je peux casser les caisses, regardez ça. Ah ouais, quand même, hein. Il y en a plus que déjà, il y en a déjà plus que dans Black Ops. Sans être trop méchant. Je meurs. Je meurs. Bon. Pas très résistant, celui-là. Toi aussi, putain, toi aussi tu fais la gueule avec ta Ray-Ban, là. Lui aussi, il mange du sable. Qu'est-ce que tu fais? Oui, monsieur. Qu'est-ce que t'es bien élevé, mon gars? Flynn. Flynn Rider. Attends, mais je vais voir ta gueule. Oh putain, tu saignes du nez, de la bouche, non?
Bon, c'est de la... Putain, tu veux pas, c'est tranquille, ouais. Il est gêné qu'on l'observe. Je crois que tu saignes de la bouche, mon gars. Hein. Non? Si, si, regardez, il y a une tache là. T'as vu? Ah, j'avais raison. T'es bien coiffé par contre. Et toi, Thompson, c'est toi qui as inventé la mitrailleuse? Ton copain il s'appelle. S'appelle Yenfield, non? Putain, ils sont tous beaux par rapport aux Allemands, hein, c'est. Génial. Qu'est-ce qu'il y a par là? Des cul-de-sac. Bon. On va se bouger le cul. Pas où je suis arrivé? Je suis arrivé par là, moi. Est-ce que je peux remonter? Non, j'ai trop de petits bras. Putain, je saute comme un lapin, regardez ça. Oh. Bon, qu'est-ce que tu regardes par là? Mon copain, Tom. T'étais pas là-bas? Il a bougé. Et lui, qu'est-ce qu'il a? Lui aussi, les moustaches, mais c'est tout, c'est une famille ou quoi? Une tradition. Ah, on aura du roast beef ce soir au dîner. Je crois qu'on peut se brûler au feu, mais là, je suis pas assez prêt. C'est pas mal, c'est pas mal. Y a pire, y a pire. On a déjà vu pire. Qu'est-ce que c'est que ça? Du volet. Bon, c'est joli. Ouais, je trouve que l'ambiance est bien retranscrite. Le ciel est super bien fait. Les nuages ne bougent pas, par contre. Enfin. Petite musique qui va bien pour la fin de la mission. Flynn, t'es encore là? Richie. Richie, je t'ai pas encore vu. À quoi tu ressembles? Connolly, montre. Oh, quel beau garçon. Ouah, il y a des yeux de tueur, lui. Hein. Bon. Elle a un problème, la grille, là. C'est solide, hein, ce qu'ils font, les Arabes. voilà. Est-ce que les fils bougent encore? Il n'y a plus de vent, peut-être? Si, ils bougent. Ils bougent, regardez ça. Bien foutu, hein. Faut aller par là ou par là? Là, c'est... On va aller par en haut, puisque c'est plus long. Voilà, je crois que l'émission est finie déjà, hein, mais vous pouvez la télécharger gratuitement, c'est la démo, je la faisais tout le temps en boucle, moi j'adorais cette émission, et voilà. Merde, je peux pas monter dessus, là. Si. C'est un meuble boule, si vous voyez bien. Si vous connaissez pas ces boules, ben, vous êtes des incultes, voilà. Un meuble boule, je sais pas, ben, c'était nul. Et donc là, c'est les chiottes, et là, c'est la porte des chiottes, voilà. Si vous saviez pas, ben... Et là, c'est le lit, voilà. Le lit pour toute la famille. C'est magnifique, c'est très bien organisé. Est-ce que je vais par là? Je sais. Regardez, il est là! Avec ses grosses barbes qui piquent! Regardez, c'est magnifique, ces scènes-là. Cette scène. Scène. Alcoolique. Et voilà. Ouais, on finit sur ce. Victory! Et un petit mot de percée, je ne sais pas si c'est le. C'est un demi-dieu, je crois. Celui qui endure conquiert. Et là-dessus, messieurs, dames, je vais vous foutre la paix. Et j'espère que vous trouvez ça trop bien et que ça va donner envie d'acheter le jeu, parce qu'il y a encore plein de gens qui achètent le jeu pour les multijoueurs, entre autres. Et vous voyez en fond d'écran la carte de l'Afrique. Avec Israël, Liban, Syrie, Nicosie. C'est un mauvais souvenir. La mer Méditerranée, le Mali, le Burkina, le Bénin, c'est pas foutu. L'Algérie. Je suis trop mauvais en géographie, je serais incapable de. Je sais pas ce que c'est, Saoudite, c'est pareil. Arabie Saoudite. Enfin voilà, j'espère que ça vous aura plu, hein. Et que ça vous donnera envie de jouer avec moi multijoueur, parce que je cherche des amis, parce que j'ai pas d'amis. Hein, je déconne, je vous emmerde. Voilà. Là-dessus, je vais finir là-dessus. Voilà. Et je vous dis à bientôt tout le monde et bon courage et bonnes vacances. Bye bye.